Alléluia, Kanisa. Amen. Ici, je viens témoigner la grandeur du Dieu de notre Père, le prophète des nations chrétiens, Jacob Kabamba. Juya santé. Au sujet de ma santé. En tout cas, mina shudia kabisa. Sincèrement, je l'ai béni. Juya huyu Mungu wa prophète. Au sujet du Dieu du prophète chrétien Jacob. Avant tufike mu 2020. Avant d'arriver en 2020, nilikuwa mugonjwa kabisa. J'étais sérieusement malade. Nilikuwa mugonjwa wa kabila kabisa. J'étais tellement malade. Nilitembea partout. J'ai circulé partout. Je suis allé voir même les autres prophètes. Je n'avais pas trouvé de solution. Je suis rentré enfin à la maison. J'étais là en train de raisonner. Je suivais un jour la télévision. Je suivais Héro Télévision. Et j'ai vu le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba. Et cela était un message pour moi pour venir ici à l'église. Parce que j'ai suivi des légendes, des épisodes, des miracles et des témoignages. Je suis venu ici parce que je suis le produit des miracles du Dieu de cet homme, le prophète des nations, Christian Jacob. En tout cas, prophète Christian Jacob, Mungu akubariki. Prophète Christian Jacob Kabamba, c'est que les autres collègues prophètes avaient échoué, les féticheurs. Votre Dieu m'a aidé et que votre Dieu soit béni. Yes. Vous m'avez fait sortir de la tombe. J'étais électrocuté, il y avait des démangeaisons, quelque chose qui circulait partout dans mon corps. Je ne savais pas travailler. Et ça circulait pendant combien d'années tu as souffert comme ça? Depuis 2019. Et en 2020, j'étais arrivé ici. Là, tu es guéri. Je suis sérieusement, complètement, brutalement béni. Tu travailles maintenant. Est-ce qu'on peut célébrer ça? Terrible. Réveillez les héros. Décision. Réveillez les héros. Décision. Alléluia. Amen. Les gars, le frère, il a circulé. C'est un phénomène bizarre. Yes, sir. Chez les féticheurs, partout il a sillonné. Et voilà, aujourd'hui, Dieu l'a soulagé. Les dieux de réveiller les héros. Les dieux capables.